Bonjour, bienvenue dans Avis d'experts, un concept qui permet au grand public de poser ses questions aux experts du CHU sur une thématique de santé publique. Pour ce 8e rendez-vous, nous allons parler d'obésité. La Haute-Normandie est la 4e région française la plus touchée. Près de 20% de la population est concernée. Comment se définit l'obésité? Quels sont les traitements? On écoute le docteur Vanessa Follop. Les traitements peuvent être d'ordre médical ou chirurgical. La prise en charge médicale est toujours multidisciplinaire. Elle fait intervenir des diététiciens pour équilibrer l'alimentation, des nutritionnistes ou des endocrinologues pour réaliser des bilans à la recherche de complications, des psychologues ou des psychiatres lorsqu'il existe des troubles du comportement alimentaire associés ou des syndromes anxio-dépressifs qui sont souvent présents chez ces personnes. Le traitement chirurgical est destiné aux adultes obèses qui présentent des obésités sévères ou massives, avec pour les obésités sévères des complications comme l'hypertension artérielle, le diabète, le syndrome d'apnée du sommeil ou l'hypercholestérolémie. Si vous souhaitez en savoir davantage sur la prise en charge de l'obésité en Haute-Normandie, vous pouvez poser vos questions à nos experts jusqu'au mercredi 20 mai à l'adresse avidexpert@chu-rouen.fr. Ils vous répondront sur le site internet du CHU à partir du samedi 23 mai, date de la Journée européenne de l'obésité. Merci d'avoir écouté cet avis d'expert et rendez-vous le mois prochain pour parler de l'endométriose.